C'est pas qu'un homme est là, tu entres avec les gens à la maison et tout, c'est quoi ça? On peut parler mal à nos hommes, mais quand il y a la caméra, on doit faire attention à ce qu'on dit à nos hommes. Je m'adresse directement à Yamseur. J'ai vu le direct d'hier. Elle ouvre la porte, mais attends. Quand moi la pente avec qui tu t'insultais ici, même si tu fais la paix avec eux, tu vas ouvrir ta porte. Tu vas ouvrir ta maison pour qu'ils viennent boire, parce que tu les sers les champagnes. Tu les sers les champagnes en vertu de quoi? Et puis tu accuses l'enfant d'avoir ouvert la porte. Alors que c'est toi qui as ouvert la porte, Yam. Hey Yam, il faut arrêter, hey Yam, sœur. Tu as juré ici de ne jamais négocier avec eux, de ne jamais rien faire avec eux. Tu ouvres la porte, tu les donnes le champagne en vertu de quoi? Hein? Entre-temps, ton homme dort. Mais tu ouvres la porte à ces gens-là, ils pouvaient même te faire du mal chez toi. Il faut souvent savoir ce que tu veux, hein? Hein? Tu inquiètes les gens alors que c'est toi qui as ouvert la porte, ces gars-là sont entrés chez toi. Même si tu as fait la paix, ce sont tes frères. Tu ne voyais pas que ce sont tes frères quand vous étiez en train de vous insulter. Hein? Tu ouvres la porte quand ton homme dort. Eux, ils entrent s'asseoir. Et un direct où tu parles mal à ton homme, tu laisses ça sur ta patte. Tu devais supprimer. Vraiment. Tu ne devais pas. Tu n'as pas laissé ce live sur ta page la façon que tu peux pas appeler quelqu'un papa et lui parler mal. Oh caméra, on peut insulter nos hommes comme on veut. Mais devant le direct, tu lui parles mal comme ça. Quand toi-même tu lui montres aux gens que tu lui parles mal et tu laisses le direct sur ton mur, comment fais-tu que les gens vont le... Il a une famille, il a les amis. Quand on éteint la caméra, tu sais ce qui se passe dans les maisons. Tu ouvres la porte pour que les gens là entrent. Les gens de la base que hier, c'était chaud. Hein? Mais tu ouvres la porte, tu les donnes le champagne pour qu'elles... Pourquoi? C'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Mais tu ne fais pas la paix avec certaines personnes à une soirée. Les gens qui t'ont promis qu'ils vont te faire. Et c'est toi qui appelles encore la police. Est-ce que la police peut t'écouter? Tu as dit que tu étais en... Comment tu étais en justice avec les gens? Avec ceux qui t'ont fait à Paris, tu es en justice avec eux. Et tu ouvres ta porte, tu les sers le champagne. Tu crois qu'ils n'ont pas de... Tu ne sais pas que les gens là t'ont piégé. Ils t'ont bien piégé. Le jour du tribunal, ils vont montrer. Tu crois qu'ils n'ont pas filmé. Ils vont montrer qu'ils n'ont aucun problème avec toi. Même le juge va comprendre que non, mais tu as un problème. Tu portes plainte contre les gens qui t'ont agressé à Paris. Ils t'ont souillé à Paris le jour du mariage de ton... De... Hey, le camion, hein. Attendez, hein, mec. Le jour du mariage de ton président, ils sont venus te verser la farine pour te souiller. Même s'il faut que tu fasses la paix, tu fais la paix, mais attends, tu ne les sers pas le champagne. Tu n'ouvres pas ta peau, ils entrent chez toi. Tu les sers à boire. Ben non. Ah ben oui, j'assume ce que je dis. Tu n'avais pas ouvert ta porte chez eux. Parce que l'enfant t'a vu, tu as ouvert la porte la première fois. C'est normal qu'il revienne, l'enfant ouvre avec que c'est un tonton. C'est toi qui les as présentés comme un tonton, non? Franchement, Yam, tu as faux cop sur l'autre là, Yam. Tu comprends, non, Yam? Vraiment. Ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et c'est toi qui appelles la police. Et quand la police va arriver, le gars explique que non, on était là en train de boire. C'est pas comme c'était des agresseurs. Tu ouvres ta porte. Un jour, j'ai une copine qui est arrivée chez moi. Mon ex-copine. On avait eu des problèmes, elle est arrivée chez moi là. Oh, oh. J'ai appelé la police en disant qu'il y a quelqu'un derrière la porte. Ils ont dit que tu es dedans, non, mais ferme la porte, c'est qui? Tu connais cette personne? Ils ont dit que oui, c'est une ancienne copine. Ils ont dit, ben c'est une ancienne. Donc vous vous connaissez alors? J'ai dit oui. Ils ont dit que, bah écoute, tu n'as qu'à rester chez toi. Il ne vient et n'ouvre pas ta porte. Les gars là auront raison sur toi. Alors que c'est toi qui devais donner une correction. Hein? Tu portes même ton avocat qui te suit. Quand ton avocat va voir que tu as ouvert la porte, les donner à boire à la basse, parce que moi je les appelle la basse. Hein? Il ne faut pas faire quelque chose et son compte, non. Tu ouvres ta porte à... Oh oh, la pluie, maman, c'est grave. Oh, oh, je vais forcément m'arrêter.
il y a les camions juste attendez. Merde. Tu ouvres ta porte aux gens qui t'ont agressé parce que c'est tes frères, mais tu savais que c'était tes frères alors. Ce sont les gens qu'on a fait les trucs, on a fait la paix et chacun dans son coin. Mais c'est pas que je vais ouvrir la porte que venez boire le champagne, non. Il faut souvent savoir ce que tu veux. Tu ne sais pas que les gens peuvent mettre quelque chose dans ta maison. Quelqu'un qui a travaillé dans la police longtemps, il connaît comment faire. Hein? S'il veut vraiment te faire du mal, mais il ne va pas te louper. Même devant les gens, il va montrer que là, voici, ils sont en train de boire le champagne. Franchement. Même ton homme, il a raison. Les gens, c'est grave. Ils ne voient rien. Mon Dieu. Les gens, je ne vois pas. Je veux sortir. Les gens, je ne vois rien. Attends, je...